le ring. Le voilà, le magnifique Gris, qui au terme de sa première saison de monte en 2019 a beaucoup changé physiquement, il a pris beaucoup de force. Tunis qui a sailli plus de 100 juments, 113 exactement en 2009. Son premier foal est né il y a tout juste quelques jours. Un fils d'Estero qu'on connaissait très peu, Guillaume Macaire est allé le dénicher en Pologne où il avait gagné à 2 ans ce cheval, assez précoce et assez qualiteux pour gagner à 2 ans. Il est devenu l'un des champions de sa génération à Auteuil, triple vainqueur de groupe, le prix Amadou, le prix d'Indy, le prix Aguado. Vous venez de voir une de ses envolées en battant le champion Master Dino. Ils nous ont régalé tout au long de leurs années de course avec leur mano à mano. Tunis qui véhicule le sang de Johan Cruyff, de Danehill, de Liffard et... des chevaux très recherchés pour l'obstacle. Guillaume Macaire a misé sur lui et Guillaume Macaire sait ce qu'il fait avec les chevaux, surtout avec les bons chevaux. Une carrière exemplaire pour Tunis, il a fini sur le podium à 18 reprises en 19 sorties. Un cheval en lequel on pouvait se fier. Ce magnifique Gris est arrivé donc au haras de Cercy dans la Nièvre dès 2019. Il a considérablement changé physiquement. C'est une vraie peinture ce Tunis. 1m68 pour ce fils des Serreaux qui fera la monte à 3 000 € en prix coopérateur et 3 500 € en prix public en 2020.